la refait parce qu'on l'a loupé. Ouais. Écrasé, et il n'est pas rare que les os éclatent. Le troisième degré de la torture est l'écartèlement. Un commentaire du règlement de la justice criminelle de Charles Quint dit « L'hérétique récalcitrant doit être écartelé de telle manière qu'on puisse voir la lumière traverser son ventre. » Peuvent s'attendre à une condamnation clémente. L'inquisition papale organisée en 1231 par le pape Grégoire IX est surtout dirigée contre les mouvements réformateurs au sein de l'Église catholique. Thank you.
vaudois et les patarins furent combattus sans merci par l'Inquisition qui les réduisit pratiquement à néant. Le réformateur religieux tchèque Jan Hus sera arrêté lors du concile de Constance en 1415 et condamné au bûcher. Le bûcher de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans condamnée pour hérésie, apostasie et sorcellerie en 1431, est allumé sous le signe de la croix. Autodafé, acte de foi. C'est ainsi que les inquisiteurs nomment la crémation en masse des hérétiques en public. De 1481 à 1498, c'est-à-dire en 17 ans, 10 220 personnes périront sur les bûchers en Espagne. Des princes et des couronnements où les jours de fête sont le prétexte aux orgies de feu.
côté d'un catalogue détaillé de questions et d'instructions méticuleuses de torture, le Malleus Maleficarum comprend aussi un article expliquant pourquoi les femmes sont plus sujettes à la sorcellerie. De nature, car elle doute plus facilement de la foi et la renie donc plus facilement aussi, ce qui constitue la base de la sorcellerie. Les bûchers flambent dans toute l'Europe. Entre 1320 et 1350, on prononce plus de 400 condamnations à mort à Carcassonne et plus de 600 à Toulouse. Entre 1587 et 1593, 368 condamnations à mort à Trèves. De 1625 à 1631, 900 condamnations à mort à Würzburg. Les quatre juges rendent justice. La maléficiée, à la suite de son alliance répétée avec l'esprit du mal, le pire des crimes, sera livrée aux mains du bourreau, conduite sur le lieu du supplice, où sa vie lui sera ôtée par l'épée, son corps étant ensuite brûlé en guise de châtiment bien mérité pour elle et d'exemple pour les autres. L'abbé Crossé et Mitré, Honorius von Schreckenstein, ne laisse à personne d'autre le soin de signer la sentence. Il ajoute même « Fiat justitia », que justice soit faite.